Coucou les flammes, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies des flammes jumelles pour le masculin pour la semaine prochaine. Semaine donc du 11 au 17 mai. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la pleine lune ne vous a pas trop frappé la tête. Et puis je vais essayer de faire alors aujourd'hui une vidéo un petit peu plus courte. Je vais essayer de les faire un petit peu plus condensées mes vidéos parce que je m'aperçois qu'elles sont un peu longues. Et que 30 minutes à chaque fois c'est un petit peu trop long. Et c'est surtout en fait que je m'aperçois qu'à chaque fois que je tire avec des cartes avec les oracles, j'ai souvent les mêmes messages. Donc à un moment donné, je pense que bah, même pour vous, ce serait peut-être plus simple d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes à regarder. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai l'impression voilà, que je vous redonnais tout le temps les mêmes messages avec les oracles. Alors bon, bah, en fait, si je les ai une fois, j'ai pas besoin de les confirmer non plus 50 fois avec 50 oracles. Donc hein, on fait confiance au guide, donc pas de soucis. Donc voilà, je vais essayer de faire des petites vidéos de 15 minutes. Hein. Alors je parle beaucoup, alors je sais, j'essaye de faire... C'est un défi que je me lance aussi à moi-même, hein, je ne vous cache pas. Donc voilà, on va essayer de raccourcir un petit peu. Et puis, alors on me demande aussi, je sais, de parler un petit peu moins vite. Alors, je sais que je parle vite, mais en canalisation, j'ai tellement de messages à vous transmettre et à vous donner. Je vous assure que des fois, c'est pas moi qui gère. Quand je vous parle, après, je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit. Voilà, le canal, il passe là-haut, vous voyez, hein, il passe là, là, et ça ressort là. Donc, voilà, vous voyez, ça tourne. Donc, moi, je suis juste... la passoire, vous voyez, donc je transmets les messages qu'on me donne et je disais en rigolant à mes consultants cette semaine, mais oui, c'est un peu en file d'attente, c'est-à-dire j'ai des phrases en file d'attente, voilà, donc des fois c'est un petit peu compliqué et quand les messages doivent passer, je suis désolée si mon débit de parole est un peu rapide parfois, mais c'est pas moi qui gère. Bon, je vais essayer de ralentir un petit peu si je peux, je vous promets rien, mais en tout cas, je vais essayer, hein. Ça va être un peu, c'est une journée test un peu aujourd'hui, hein. Voilà, donc on y va, petite vidéo donc pour les masculins, donc les masculins qui étaient beaucoup dans la communication la semaine dernière, une envie de communiquer, cette semaine là je viens de tirer les cartes, on est vraiment sur une semaine de recentrage, un masculin qui est vraiment, qui a un besoin de se recentrer sur lui-même. Alors on y va, j'ai pris trois cartes pour, avec le premier oracle, alors elles sont super intéressantes en fait les cartes. Ce qu'on demande au masculin cette semaine, on lui dit « place-toi au centre de ta vie pour tout ». Elle est super belle cette carte-là. « Place-toi au centre de ta vie pour tout ». Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle nous dit vraiment qu'en fait, le masculin, vous êtes le seul à pouvoir prendre toutes les décisions. Voilà, les décisions qui vous appartiennent, vous êtes au centre du monde, vous êtes le centre. C'est à vous de prendre les bonnes décisions, c'est à vous de faire les bons choix dans votre vie. Et cette semaine, vous allez être poussé à ça, à vous recentrer sur vous, à être dans votre intériorité pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a vraiment un ancrage cette semaine sur le recentrage. Voilà, je me recentre sur moi, je suis ma priorité. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai vraiment cette sensation-là de... je suis sortie aussi peut-être de beaucoup de situations du passé dont je me suis libérée et aujourd'hui je me retrouve un petit peu... Alors on parle aussi de solitude, un petit peu seule, un petit peu centrée, là tout seul avec moi-même. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Il y a vraiment ce besoin de recentrage. On lui dit, là le masculin... toi seul, en fait, peux faire avancer les choses. Vous voyez, là, j'ai l'impression, on me montre comme une horloge. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous fait penser à ça aussi, mais on me montre comme une horloge. Là, tic-tac, tic-tac, vous voyez, ça tourne. Et vous êtes le seul, en fait, à pouvoir faire avancer cette horloge, faire avancer votre avenir, décider de ce que vous voulez mettre en place pour faire avancer les choses. Vous voyez, vous êtes un peu la pile, hein, dans le milieu, vous êtes un petit peu la pile au milieu. Sans la pile, ça n'avance pas. Donc, on vous demande vraiment de vous placer au centre de tout ça, hein, de prendre, alors là on dit aussi la direction, vous voyez, comme s'il y avait un petit peu des directives, vous devez aussi faire vos propres choix, prendre vos propres décisions afin de prendre la bonne direction, hein. Donc bah pourquoi aussi, on me dit, regardez, on est sur une carte 43, 4 et 3, 7, hein, 7 c'est quand même le chiffre de la spiritualité et puis on est quand même dans une carte qui est complètement violette, pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, comme
vous vous recentrez sur vous-même, il y a quand même beaucoup d'intériorité, il y a beaucoup d'intériorité aussi sur les autres semaines, et bien vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup éveillé, vous avez augmenté votre taux vibratoire, et vous faites des sauts quantiques en ce moment, vous vous éveillez, votre taux vibratoire il augmente, vous sentez aussi personnellement, intérieurement, physiquement, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de vous, ça bouge, hein, il y a des émotions, ça bouge, mais oui, vous êtes en train de vous éveiller, donc on est vraiment dans du violet. Donc pourquoi vous arrivez à changer les choses? Parce que tout simplement, vous vous recentrez avec vous-même, vous êtes en plein éveil. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, cette semaine, gros travail de recentrage sur soi. Et en fait, on me dit que vous êtes de plus en plus aussi conscient, responsable, conscient de qui vous êtes et que conscient en fait que c'est vous qui, seul, qui pouvez changer les choses. Que vous n'avez plus besoin de vous attacher en fait aux personnes à côté, vous seul vous pouvez changer les choses. Donc vous avez en fait, vous pouvez vous sauver que vous-même, par vous-même. Voyez, c'est, les autres ne peuvent plus vous sauver aujourd'hui et ça vous êtes en train de vraiment en prendre conscience que vous pouvez vous sauver uniquement par vous-même. D'accord? Ok. Donc il y a vraiment on me dit une nouvelle vision des choses. Alors là c'est pas l'œil mais on me montre quand même l'œil, une nouvelle vision des choses à partir de cette semaine. Voilà, il y a envie de changer tout ça. Ensuite, on nous dit, mais pourquoi vous en êtes là? Bah parce que les masculins, la plupart de certains masculins, vous vous êtes débarrassés. Cette carte, elle revient souvent, hein, nettoyage du passé. Je l'avais aussi dans la carte de la pleine lune, là, de nettoyage du passé. On laisse le passé derrière, c'est ça. En ce moment, vous êtes en train de couper avec le passé. Et là, du coup, bah, y a un recentrage. On coupe, on fait du neuf dans sa vie, on laisse de la place justement, on enlève ce qui n'est plus bon, donc on a de la place, vous avez la place maintenant pour tout créer. Donc à vous de créer comme ça votre avenir. On se libère aussi en coupant, du coup on libère les tensions, on libère tout ce qui est toxique, on libère tout ce qui est nocif dans notre vie. Donc du coup ça vous redonne un... Quand on coupe là, du coup, ça vous redonne, bah, vous vous élevez. Vous voyez, là, le ballon, si vous le coupez, il repart au ciel. Donc, vous vous élevez. Et encore, on parle encore de taux vibratoire, d'élévation, de spiritualité. Vous voyez, vous vous recentrez sur vous-même. Du coup, vous enlevez un poids lourd. Vous êtes beaucoup plus, du coup, plus léger. Donc ça, cette carte, elle revient vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. Hein. On est vraiment dans... Et on n'est plus dans l'attachement, du coup. Parce que là, ça veut dire que vous étiez encore peut-être... accroché à certaines choses, mais quand vous étiez dans l'attachement, et ça me fait penser à ma petite vidéo, je vous invite à la regarder sur les bonhommes allumettes, couper les liens d'attachement négatifs du passé pour rentrer dans l'amour inconditionnel. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est dans l'attachement, on n'est pas dans l'amour. L'attachement, c'est s'attacher à quelque chose qui nous comble par des manques, par des besoins qu'on essaye de combler par des choses mais qui nous correspondent pas en fait réellement. L'attachement, c'est pas de l'amour. Et là, on vous dit justement, en coupant ce lien d'attachement du passé qui ne vous correspondait plus, vous allez retrouver une légèreté, vous allez retrouver justement un amour. Alors, un amour de vous-même et un amour, voilà, inconditionnel, qui est évidemment votre mission d'âme aussi, d'être dans l'amour inconditionnel. D'accord? Donc, vous n'avez plus besoin de choses qui ne vous correspondent plus. Une personne, un travail, ouais, je dis toujours la même chose à chaque fois, mais c'est ça, couper les liens du passé avec ce qui ne vous correspond plus pour retrouver bah là, vos vraies valeurs, pour faire les vrais choix de votre vie. Hein. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, puis ça va vous permettre aussi de retrouver une confiance en soi. Et je vous dis, on est encore sur une carte 25, hein, 5 et 2, 7. Donc super. Et ensuite, on nous dit, prends soin de toi. Mais oui, justement, prenez ce temps justement pour prendre soin de vous. Là, on est sur une carte... 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est le changement, la transformation, le changement. Donc, on nous dit, justement, le fait de couper tout ça va vous permettre aujourd'hui à un changement qui va vous permettre de recentrer sur vous-même et aussi de prendre soin de vous. Alors, on vous dit, prenez soin de vous aussi au niveau de votre santé. Ça, alors, on me parle aussi de digestion, là, de digérer les choses. Parce que comme vous avez coupé des choses avec votre passé, il y a aussi beaucoup de peurs qui vont remonter et qu'il faut digérer maintenant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Il y a vraiment un ancrage, un alignement, beaucoup de solitude, hein, je trouve encore cette semaine, pour besoin de digérer les choses. Voilà, se recentrer pour digérer, c'est vraiment ça. Et prendre soin de ça, c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi intérieurement, besoin aussi de se respecter. Qui je suis? Est-ce qu'aujourd'hui je me respecte?
Quand vous faites quelque chose aujourd'hui, dites-vous, est-ce que si je le fais, est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je le fais par besoin? Est-ce que je le fais par manque? Est-ce que je le fais parce que j'ai encore ce besoin de me raccrocher à quelqu'un, à une personne, à une situation? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que c'est moi réellement, je suis comme ça. Voilà, et là vous allez voir encore si vous êtes dans des peurs ou pas. Voilà, ça va faire remonter encore des peurs à la surface, mais on nous dit, donc voilà, prenez soin de vous par rapport à ça et d'enlever. Alors, on me parle aussi de couper, débarrasse-toi de l'attachement, on me parle des addictions aussi. Et pour prendre soin de vous, vous avez aussi besoin, certains masculins, de couper avec des addictions. Parce que ça aussi, ça va empêcher la bonne circulation des énergies dans votre corps. C'est-à-dire les addictions, la cigarette, l'alcool, voilà, toutes les addictions qui sont toxiques et qui sont nocives pour vous. Là, on vous demande, prenez ce temps. Aujourd'hui, ça fait aussi partie du recentrage, ça. Hein, pour que toutes les énergies puissent bien circuler, il ne faut pas du tout qu'il y ait de pollution. Donc la cigarette, voilà, l'alcool, tout ça, c'est évidemment des pollutions qui vous polluent. Hein, complètement votre énergie et qui empêche la bonne circulation et qui vous empêche un bon alignement et un bon équilibre. Donc voilà, fais du bien à ton corps, on nous dit, pour que ton âme ait envie d'y vivre. Mais c'est ça, pour bien vibrer, de toute façon, vous devez être bien aligné. Pour bien être aligné, il faut être en bonne santé. Voilà, donc pensez à votre santé. Vous êtes vivant, vos cellules sont vivantes. Prenez soin de vous, ça fait partie du respect. Respectez votre corps, respectez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous demande vraiment d'arrêter de vous maltraiter. Hein. Arrêtez de vous maltraiter, arrêtez de vous polluer. Et on vous dit, vous êtes votre priorité. Hein. Donc là, on nous parle avec un autre oracle. Découverte de soi, authenticité, intégrité avec la carte identité. Si on voit bien, voilà, identité, vous voyez, donc c'est exactement ça. On demande au masculin, cette semaine, on vous demande de vous occuper de vous, de votre intériorité, de vous recentrer sur vous, hein, vraiment de vous découvrir. On est vraiment dans une énergie cette semaine d'intégrité, de se recentrer sur soi. Et on nous parle d'amour, mais c'est ça, d'être dans l'amour de soi-même, de comprendre qui l'on est, d'apprécier, de s'apprécier, de s'aimer, de se respecter. On est vraiment dans ces énergies-là. Soyez sincères avec vous, soyez dans l'amour avec vous-même. Hein, soyez dans la communion avec vous-même. Aimez-vous, respectez-vous, aimez-vous. Et vous allez retrouver une certaine liberté. On nous parle de liberté. Vous allez voir que c'est beaucoup plus léger. Quand on enlève évidemment le passé, puis qu'on coupe avec ce qui ne nous correspond plus, évidemment, on retrouve une certaine liberté, une certaine légèreté. La vie, elle est beaucoup plus fluide. Et puis en plus, voilà, les informations, on a beaucoup plus d'idées, on est beaucoup plus créatif. Voilà, quand on enlève tout ce qui est plus bon, automatiquement, fou, ça y est, on enlève un poids. Ça fait du bien, quoi. Donc là, vous allez retrouver, du coup, une certaine légèreté, une envie, bah, une envie de revivre aussi, peut-être aussi, tout simplement, hein, d'être soi-même. Ça permet de et vous voyez, j'ai pas vu, il y avait écrit « abandonner les liens du passé ». Bah, vous voyez, c'est ça, abandonner les liens du passé, c'est ça, débarrasse-toi de l'attachement, hein. C'est ça, couper. Donc c'est ça, ça vous permet une liberté, ça va vous permettre d'être beaucoup plus, on parle encore d'élévation, encore avec les oiseaux, de communication, mais là de communiquer aussi avec vous-même, hein, et on vous dit restez dans l'instant présent, c'est ça, soyez dans l'instant présent. Appréciez en ce moment, c'est le recentrage, c'est ça, appréciez en ce moment, être dans l'instant présent, c'est ça, c'est être juste là, avec soi-même, être centré sur soi, avec qui l'on est, et s'observer, voilà, vraiment s'observer, qui je suis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attends de moi? Quelles sont mes priorités? Voilà. Là, il y a un alignement cette semaine. Il y a vraiment un... Je suis dans l'ici et dans le maintenant. Voilà. J'apprécie d'être dans l'ici, dans le maintenant. Du coup, vous allez être aussi moins dans le mental. C'est ça qu'on vous demande aussi. D'être beaucoup, beaucoup moins dans le mental. Quand on lâche, on est moins dans le mental. On est dans l'être. On n'est plus dans l'avoir. On ne s'accroche plus à rien. On n'est plus dans, hein, dans le... On comble avec plus rien. On est dans l'être. Donc, on est là, juste là, avec soi-même. Donc, c'est ça, ce qu'on vous demande. Et ça va vous permettre de lâcher prise, de retrouver aussi une confiance en vous. D'accord ? Ensuite, on nous parle... j'avais une petite carte avec les cartes de la lumière. La transformation. Bah, vous voyez, on est encore sur une énergie de transformation. Voilà. Donc, un masculin, cette semaine, qui se transforme. Donc, c'est vraiment super. Et on nous parle de projection. Devenez acteur de votre vie. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Créer votre futur maintenant, c'est ça. Donc là, on vous demande vraiment de visualiser votre avenir, de créer votre avenir. Comment faire? En vous recentrant sur vous, en vous plaçant au centre de tout, en vous mettant en position number one, voilà. Et on vous dit, projetez, visualisez déjà les choses que vous voulez pour l'avenir. Déjà, créez, visualisez. Quand vous visualisez, déjà, c'est comme si vous l'aviez déjà dans l'instant présent. Imaginez-vous, rêvez à ce que vous voulez plus tard.
le fait d'y penser, déjà, ça va vous procurer une joie. Vous êtes déjà en train de le créer. C'est ça qui est génial. Donc, soyez vraiment dans ces pensées-là, de vous projeter, de visualiser vos désirs. Voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais. Soyez dans la gratitude de ça, de cette envie, de comment vous allez créer les choses. D'accord? J'ai encore une petite carte. Je suis à combien? 15 minutes. Allez, c'est bon, je suis presque dans mon timing. Petite carte que je voulais demander pour savoir où le masculin en était avec sa féminine. Qu'est-ce qu'il avait envie de dire à sa féminine cette semaine? Alors j'ai beaucoup de solitude. Hein. J'ai peut-être. Alors il y a encore des communications, des masculins qui vont communiquer, ça continue. Hein. De toute façon, il y en a encore eu cette semaine, des masculins qui sont revenus, donc tip top. Mais du coup, cette semaine, il y aura encore de la communication, mais j'ai encore des masculins qui vont être dans la peur. Bah en fait le masculin cette semaine vous pouvez pas tout faire, hein. Là il y a un gros travail de recentrage et d'ancrage sur soi, donc c'est peut-être pas le moment d'aller voir la féminine. Il y en a qui iront, hein, pas de souci. De toute façon je vous dis c'est par vague, hein. Mais donc ça parlera pas à tout le monde. Mais là j'ai des masculins pour moi là cette semaine, en tout cas dans le collectif, je vous parle, qui sont plus dans le besoin de encore se recentrer sur soi, ce besoin d'être en complétude avec soi, de se comprendre. Voilà, donc besoin de compréhension intérieure. Donc du coup, on me dit, il y a un peu, alors, la croix pour l'union, je vous montre mes cartes, mais bon, à chaque fois je vous les montre, mais il n'y a pas grand intérêt. La croix, l'union, l'abandon, la peur, le détachement. Ça, mais la croix pour l'union, ça ne veut pas dire que le masculin veut faire une croix sur l'union, hein. Moi, la croix, là, c'est plutôt même. Il n'est pas prêt. Voilà, il n'est pas prêt. Ce n'est pas qu'il fait une croix, c'est que elle est ancrée. La croix aussi, c'est la foi. Elle est ancrée, cette union. Elle est ancrée dans l'esprit du masculin, là où il en est aujourd'hui. Dans le parcours, il a compris qu'il était dans une relation de flamme jumelle. Il ne mettra pas le terme flamme jumelle dessus, mais il l'a compris. Mais aujourd'hui, peut-être il est dans l'impossibilité de s'engager pleinement encore cette semaine parce que ben, il y a un travail de recentrage et juste un travail sur soi. Il y a des choses, on dit qu'il doit abandonner et ça fait remonter des peurs. Voilà, ça fait remonter des peurs, ben justement parce que voilà, quand on travaille de manière intérieure, ben, ça fait toujours remonter des émotions. Et pourquoi il y a des peurs qui remontent? Ben, parce qu'on est dans le détachement. Voilà, donc dans le détachement, c'est la carte que je vous ai montrée, détachement de tout à l'heure. Hein. Débarrasse-toi de l'attachement. Voilà, il se détache. Cette semaine, on a vraiment un masculin qui se détache. Donc, on nous dit, pour la relation flamme jumelle, les deux cartes pour terminer, en synthèse, on a la progression et le deuil. Voilà. Donc, en fait, on a un masculin qui est vraiment en train de progresser dans sa mission d'âme et dans sa relation et sa connexion avec sa flamme jumelle. Pourquoi? Parce qu'il fait le deuil. On est vraiment dans un. On enterre cette semaine. Le masculin, vous êtes en train vraiment d'enterrer le passé, d'enterrer tout ce qui ne vous correspondait plus et vous êtes dans une période de deuil, de digestion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de digestion. Voilà. Donc, besoin de digérer, besoin d'assimiler les choses et c'est comme ça, de toute façon, que vous allez progresser et que vous allez monter en taux vibratoire. À force de vous débarrasser de tout ça, vous montez tranquillement en taux vibratoire. Donc cette semaine, il y a une grande assimilation et une grande digestion parce qu'il y a un grand recentrage et surtout donc un grand ancrage. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse 18 minutes. Je suis dans le timing. C'est génial. Je vous retrouve tout de suite pour la vidéo de la féminine, cher masculin. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. À tout de suite.